Téléspectateurs de partout, captez chaque fin de semaine l'émission Roupie Culturelle TV Show, le magazine de l'actualité culturelle et sociale. Nouvelles sous Atissio, informations sur tout ça qui affectait la vie sociale, nous-mêmes haïtiens, dans Roupie Culturelle TV Show. L'émission télévisée Roupie Culturelle TV Show est disponible chaque samedi matin sur RPTV YouTube et Facebook, sur Télé Anacaruna chaque samedi soir 8h et chaque dimanche soir 8h, sur BPX TV Réseau chaque samedi avec des reprises pendant la semaine. Roupie Culturelle TV Show, le magazine de l'actualité culturelle et sociale avec Roupie. C'est tout un plaisir, amis téléspectateurs, pour nous retourner venir joindre nous dans leur présentation émission Roupie Culturelle TV Show qui rejoint nous chaque fin de semaine sur diverses plateformes, sur RPTV, dans YouTube et dans Facebook, qui c'est plateforme Pano. Nous également présents sur BPX TV Réseau, émission ça présenté également sur Télé Anacaruna le samedi soir à 8h avec une reprise qui fête également le dimanche à 8h du soir. Son émission côté que nous parlons culturel, amis téléspectateurs. Aujourd'hui, jeudi, c'est deux informations qui sont listées. Une là d'ailleurs, c'est une interview que nous avons gagné avec Alix Nozil. Alix Nozil, que nous connaissons, qui est un excellent tambourineur haïtien qui a évolué pendant plusieurs années avec l'orchestre New Look et qui a annoncé officiellement qu'il y avait Jakout No. 1. Mais nous avons croisé avec l'artiste là dans une performance qu'il a fait avec Koujaï, week-end qui s'est passé là, dans l'occasion Fête Guédé à cœur ouvert. L'artiste là, il a confié nous un pile d'informations que nous allons partager avec vous dans l'émission jeudi. Dans la deuxième partie du programme, nous allons parler de groupe musical Koujaï, que nous connaissons, qui est un groupe racine qui fait un pile dans la musique haïtienne pendant plusieurs années. Malheureusement, suite à décès de pratiquement leader groupe blanc, qui c'est Kessy, eh ben, depuis 2016, jeudi, le groupe blanc retournait avec ce Kessy, avec petite Kessy, qui c'est Tikessy. Dans l'émission jeudi, nous allons rencontrer Tikessy et nous allons gagner plus de détails concernant comment Koujaï a décidé pour le faire route dans la musique haïtienne. Et nous pouvons faire vivre tout performance qui a été faite dans l'occasion Fête Guédé dans Plantation Florida week-end passé. Nous étions là dans l'occasion. La propose, amis téléspectateurs, nous tournons sous. Avocat Fester Pétion et son équipe, t'as rien fort songé que le parler pour gérer tout cas légal qu'a bord tracas, accident machine, vie pipe tombée dans le travail, le mort de la loi, arrestation pas comprendre, c'est relé M. Fester Pétion, 954-404-7496. Pas occupé Zot qui pas parler langue pao et qu'a promettre la communion sans confession, relé M. Fester Pétion qui saut remporter victoire légale plus passer 2 millions de dollars pour année 2021, sans compter tout un palmarès de victoire devant la loi pendant plusieurs années, relé 954-404-7496, puis une consultation gratis depuis ou bien cas. Et puis tout, avocat Fester Pétion et son équipe, il y a plus passé 60 ans d'expérience dans Claim Adjuster, assurance, medical malpractice, property damage, maison privée, coût business, dossier criminel et l'autre encore. Avantage pour vous, c'est que M. Fester Pétion, c'est un membre actif de Million Dollar Advocate Forum pour bon service avec victoire cas plus passé 1 million de dollars. Qui dit mieux? Messieurs, dames, depuis ces problèmes légaux qui présentaient dans la vie aux solutions normales sans être fait mal, avec Office Avocat Maître Fester Pétion, qui est dans 19790 West Dixie Highway, suite 701 à Ventura, Florida, en face à Ventura Mall. Téléphone 954-404-7496. Ouvert du lundi au vendredi, de 8h du matin à 6h du soir, le samedi, sur rendez-vous, fermé le dimanche. Maître Fester Pétion et son équipe, ses victoires garanties dans tout cas légal qu'à votre cas. Pierre Tax Group, Tarmine Fortuné, que c'est dans 15800, Pines Boulevard, ensuite 304, Pingou Pines, Florida, dans Hampton Business Center, pour la Buy Service Tax Resolution, pour nous tous qui dans 50 États aux États-Unis, relais 954-362-5199, pour casser un rendez-vous. Dès pour ta recevoir une lettre de IRS, qui a demandé règlement taxe, relais 954-362-5199. Pierre Philanthrope, il a plus passé 25 années d'expérience, n'a représenté client devant IRS, lié au Master degree en loi of taxation aux États-Unis de l'Université de Florida qui s'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pingou Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant IRS. Pierre Philanthrope, c'est un expert en taxe qui est capable de
gen tax return ki pa korek, li ka prepare taxi en retard, li ka aide ou gérer TaxLink, TaxLevy, Innocent Spouse Relief, audit ou bien n'importe problème taxi présenté dans la ville. Et si ou c'est un comptable, ou soit un monde qui file taxe dans la communauté, et ou ta gen yon ou plusieurs clients qui ta capable de gen taxe très compliqué, ou les pierres philanthropes. Non, 954-362-5199, la pédo gérée. Pierre Tax Group, 15800 Pines Boulevard, suite 304 Pembroke Pines, Florida, dans Hampton Business Center. Website, pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe résout pour Kadomi de tout repos. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour des professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Program en 12 mois on campus, Nursing Assistant Program en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relevez 954-765-6919 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour ou c'est que place offrit le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride, ou quatre places, relevez pour plus d'informations dans 954-765-6919. Place dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondée et dirigée par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis tout de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'état et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954-765-6919. Online, sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Nous apprécions les amis téléspectateurs qui ont été branchés dans l'émission qui c'est Roupi Culturel TV Show. Nous entrer tout droit dans le sujet que nous avons retenu dans l'émission Jeudi Jodian. Premier élément d'information qui souligne nous, c'est Alix Nozil, que nous connaissons, qui c'est un grand tambourineur haïtien qui évoluait pendant plusieurs années avec l'orchestre New Look, mais qui prend le courir sur plusieurs mois là, depuis qu'il n'est pas dans New Look encore. Eh bien, tambourineur a été confié nous que l'île dans Jakout No. 1, même le Jakout No. 1 n'est pas actif dans le moment. Artista, tu fais une déclaration dans le micro. Nous. Non seulement nous pouvons vivre, ça le dit, mais nous pouvons le faire. Ouais, comment Alix Nozil t'a battu tambour dans Koudjaï? Je tiens, c'est la Toussaint et ce jour, les morts. Je salue tous les morts en général. Spécialement Marie-Rose. Qui te prend initiative ça, qui pour faire fête ça chaque année. Chaque 1er novembre ou chaque 2 novembre, selon Jean Varié, que m'apprécie ça. Et c'est une bagaille dans la culture par nous. Et c'est côté me senti que moi-même, me senti que moi dans même. Et tant que tambourineur, me senti dans même. J'aime chaud faire avec Koudjaï là. Et gen moun qui pensait que c'était compas m'd'a jouer. Seulement, non, c'est pas ça. Si m'd'a ka jouer compas, c'est parce que m'était influencé par culture pays nous. Yan Valo, Congo, Nago, Petro, Ibo. Et pour jouer compas, c'est très facile pour jouer compas. Mais il faut capable passer par l'autre rythme pour capable faire différence pour capable prendre un gros tambourineur compas direct. Et je suis capable de jouer et pendant de monter dans le coup de jambe, je prends un tambour pour jouer. Je pense à papa, grand-père, mon qui mourit, ma tante qui mourit, je dis c'est la Toussaint. Moi jouer pour yo, moi solo pour yo à soir là. Moi solo pour yo spécialement à soir là et yo connaît et côté me sorti et me connaît côté me sorti et moi pas venir prendre pause et compas bagaille, me sorti, me son nèg qui t'a joué tambour dans péristyle la caille grand papa mon nom moi qui t'ai gain péristyle, moi pas un tambourineur et compas direct. Pour bien dire, les montées là, m'a joué avec Koudjaï. Me senti que gon l'autre bagaille qui entre dans moi-même, gon l'autre bagaille qui a inspiré, qui a partagé dans moi-même, qui fait me sentir que pays m'nan
même les nous en difficulté, même les nous en difficulté, nous pas baisser tête, nous pas baisser tête nous. Bon Dieu, dans le ciel là avant tout, pays a privé à bon port. Nous quoi tout le monde connaît déjà. C'est tambourineur Jacques number one que mieux. Si Pouchon, Maman, si Pouch, Waltz Lenné, Monsieur Yo, ça dit que yo pas continuer faire musique encore. Nous allons continuer de travailler. Moi-même, pas ouais, moi-même qui parle pas. Quel que soit le monde que lié là dans le moment, utilisez courage, pas maintenant là, encore. Parce que monsieur Sao, ce sont des messieurs qui me levé, grandi, pêchons ville avec eux. Bon, je me sens fier, je me sens entouré, je me sens encombré, je me sens que moi, force courage avec. Pouchon, Maman, Tipouch, Waltz Lenné et le manager du groupe Jacoute number one. C'est avec Jacoute moi et dans le moment là qu'on est là. Pas avec pièce l'autre jazz.
Nous, dans la deuxième tranche émission Journée Jodia, qui c'est Roupie Culturelle TV Show, vient nous parler Koudjaï, qui c'est un groupe racine haïtien qui fait, qui refait encore, qui bien fait dans la musique haïtienne pendant plusieurs années. Malheureusement, suite à décès Kessi, l'orchestre a été fait camper dans l'année 2016. Journée Jodia, groupe l'en retourné pour la plus belle avec Tisseur Kessi et puis Petit Kessi, qui c'est Ti Kessi. Nous sommes présents dans la récente performance que nous avons fait le week-end passé, occasion fête guédé dans Plantation d'État Floride. Nous allons vivre des interviews sur le vif avec une performance quoi pas apprécier. On suit ensemble.
Nous arrivons dans le finissement de l'émission Journée Jodia, amis téléspectateurs, c'était Roupi Culturel TV Show. Venez nous casser rendez-vous week-end prochain pour notre émission. Non pas M. Roupi, bonne semaine. Téléspectateurs de partout, captez chaque fin de semaine l'émission Roupi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle et sociale. Nouvelles sur Atisio, informations sur tout ça qui affecte la vie sociale, nous-mêmes haïtiens, dans Roupi Culturel TV Show. L'émission télévisée Roupi Culturel TV Show est disponible chaque samedi matin sur RPTV YouTube et Facebook, sur Télé Anacaruna chaque samedi soir 8h et chaque dimanche soir 8h, sur BPX TV Réseau chaque samedi avec des reprises pendant la semaine. Roupi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle et sociale avec Roupi.